Eh oui, c'est Kenby. C'est Kenby. Kenby. Excusez-moi. Bah, en tout cas, il est là. Il va nous faire deux titres et puis un extrait de son nouvel album. Eh oui, dans un monde meilleur. Ça, c'est le titre de la chanson. Évidemment. Le nouvel album de Kenby. Vous savez quoi? Tous les albums que vous voyez ici, c'est des chanteurs qui se prennent pas la tête. C'est des mecs qui sont sains. Précipitez-vous dessous, écoutez-les. Et allez les voir sur scène, surtout, c'est très important. Monsieur Kidman! Hey yo! C'est Kidman on the mic. Le rôle a été. Faut prendre la vie du bon côté. Ça y est, j'en ai. Passé, tout recommencer, me libérer. J'ai décidé de prendre la vie du bon côté. Adolescent, souvent je me sentais complexé. Il suffisait d'un rien pour que je me sente blessé. Les critiques qu'on me faisait me peiner et me blesser. Mais tout ça c'est du passé. J'ai cessé de la monter pour croquer la vie à pleine dents. Je fais selon mes idées, je vis mes envies pleinement. J'ai bien essayé de changer le passé, mais vainement. Rien ne change, je vais faire des événements, non. Assez. Passé. Tout recommencer, me libérer. J'ai décidé de prendre la vie du bon côté. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle ne me veut pas. Non, non, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle ne veut pas. J'adore les îles, mademoiselle est belle. Elle me rend tellement fragile, son sourire m'ensorcelle. Jusqu'à un battement de cils, je viens statue de sel. Moi qui ne suis pas docile, je le serai avec elle. Moi perso, je les ai bien aimé tes photos. Oh oh oh, ça a même joué sur ma libido. Oh oh oh, à l'autre vieille, tu as fait ravaler son chapeau. Oh oh oh, et quand je vois à la télé, dans mon poste, ça de cheveux. Stop les conneries là. Mais comment tu parles à ma sœur? J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle, elle ne veut pas. Non, non, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle, elle ne veut pas. Tout le monde. Non, elle veut pas, non, 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 elle veut pas, non, 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 elle veut pas, non, 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 elle veut pas. Non, elle veut pas, non, 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 elle veut pas, non. Et ça, c'est le petit nouveau. Ça s'appelle le monde meilleur. Les paroles sont formidables. Écoutez-les bien, les bons. Dans un monde meilleur, on pourrait tous effacer les erreurs du passé qui empêchent d'avancer. Dans un monde meilleur, on ne jugerait pas sur l'aspect. On vivrait tous en paix, ensemble dans le respect. Dans un monde meilleur, c'est l'amour qui nous guidera et l'on s'entraidera. Oui, cela se fera. Dans un monde meilleur, ensemble on bâtira un monde pour toi et moi, où chacun de nous vivra, oui dans un monde meilleur. Dans un monde meilleur. Le monde meilleur serait sans drame, serait sans peur, serait sans larmes. Chacun ferait ce qui lui plaît, sans que personne ne vienne et le blâme. On pourrait arrêter le temps quand on veut pour mieux profiter de l'instant. On pourrait voyager, sauter ses vœux seulement en se téléportant. On s'en donnerait pas d'un tas au milieu, on vivrait ce qui nous semble important. On profiterait tant qu'on est vivant et dans un monde meilleur. Dans un monde meilleur.
Bon, Kid V. Yes. Reste à vous qui t'applaudissent. Qu'on voit tes belles pompes. Ah, chaud, c'est cette toi. Jeunesse. Cette jeunesse, qu'est-ce que je l'aime bien avec ce... Qu'est-ce que j'aime bien, et puis qu'est-ce que j'aime bien, Stex. Il serait temps qu'on ait un monde meilleur. Je vais vous faire une confidence, on était dans la loge tout à l'heure, il y avait Kenji, il y avait toi, il y a pas de concurrence, il y a une amitié entre tout le monde, personne ne se prend la tête, c'est génial, ça c'est vraiment formidable. Vraiment, je voudrais que vous les applaudissiez pour ça. Il sera d'ailleurs en tournée à partir de mars 2016. On a même fait chanter, ouais, on a même pris absolument la guitare avec Kenji, on a chanté tourner les serviettes en espagnol. C'est déjà ça. Et je voulais te remercier aussi parce que récemment j'ai fait un spectacle où tu étais à Rouen. Absolument. Quand j'imite François Hollande, je chante J'aimerais trop qu'elle me faisait Valérie, je sais pas pourquoi. Et il est venu me rejoindre sur scène et on a fait chanter 3000 personnes. C'est son pays quand même. Merci d'être chez moi. Et j'espère que la tournée passera par Rouen à partir de mars 2016. En tout cas, il sera au Trianon à Paris. Ce sera le 20 mars l'année prochaine. Heureux, ouais. C'est une bonne nouvelle. C'est des parcours formidables. Comment faire l'album quasiment en même temps? On fait la tournée quasiment en même temps. Ouais. Je vous rassure, l'album de Kid V est déchiré. Donc, merci. Ça vaut vraiment chacun, le coup. Chacun achète l'album de l'autre. C'est magnifique. C'est ça, c'est vrai. Voilà. 15 nouveaux titres, dont Kid V est l'auteur. Oui. Si on peut en parler. Auteur. On ne parle jamais. Auteur. C'est vrai, on parle jamais. Il écrit tous ses textes. Ouais, c'est mieux. C'est important de préciser. Comme toi,